retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre vidéo préférée, le journal créatif de la semaine. Alors nous sommes au numéro 41, voilà, ça avance, ça avance. Alors d'abord bienvenue aux nouveaux et nouvelles, il y en a encore eu beaucoup cette semaine, je suis très heureuse. Et je vous explique en deux mots du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a mes mères qui arrivent. Le principe de cette vidéo, donc ça, vous l'avez tous les dimanches, moi je filme le samedi soir et le dimanche après-midi vous avez cette vidéo. Et dans cette vidéo, bah, écoutez, en plus de Fifi, je vous montre tout ce que j'ai fait dans la semaine. Que ce soit en broderie, en tricot, en crochet, en DP, quand je, en ce moment j'en fais pas, mais il y a quelquefois du diamond painting, et puis si je serai amenée à faire d'autres loisirs, je vous les montrerai également. Alors, bon, ça y est, elle est installée, hein. Voilà. D'abord, alors vous savez que maintenant je fais sur des tirages avec les roues, donc je prévois ce que je vais faire dans la semaine. Bon, ça peut m'arriver de changer un petit peu quand même, mais j'essaye maintenant de me tenir à ce que je tire avec les roues. D'abord, alors, la semaine dernière, vous avez eu une vidéo un peu plus courte, hein, parce que j'étais encore malade. Bon, je ne suis pas encore guérie à 100%. En plus que Chouchou est malade aussi maintenant. Donc, voilà, il a une grosse bronchite. Ça commence à aller un tout petit peu mieux, mais lui, il est encore bien, bien pris. Voilà, donc le microbe est encore dans la maison. Donc, on va croiser les doigts qu'il ne revienne pas sur moi. du coup, la semaine dernière, j'avais pas fait, enfin, vous avez vu que j'avais quand même brodé, mais je n'avais pas fait plein de choses comme je fais d'habitude. Cette semaine, ça a été un peu mieux. Voilà, j'ai brodé un peu plus. Vous savez que je fais pour moi toute seule, mais j'ai vu que certaines d'entre vous commencent à le faire. Je me fais un petit challenge. Je me fais 3000 croix par semaine, j'essaye de m'y tenir et je vois donc le samedi, arriver le samedi, si j'ai fait mes 3000, si j'en ai fait moins ou plus, voilà. Donc après que je vous aurai montré les broderies, je vous dirai si j'ai réussi mon challenge de cette semaine. Ensuite, bon, je suis comme beaucoup de brodeuses en ce moment, je fais le Stitch Mania. Bon, le mien est un petit peu parti en vrille parce que j'étais malade. Mais voilà, je fais quand même des choses que j'avais prévues sur le Stitch Mania. Mais bon, cette année, il est un petit peu en cacahuète. Mais c'est pas grave. Alors, la semaine dernière, les roues m'avaient sorti donc plusieurs broderies. En estampé, ça devait être le cheval et la broderie du cerf. Les salles, je devais faire les ours de Noël de chez All Forest. C'est un salle que j'organise sur mon groupe. Je devais travailler également sur le All Forest que Julia organise. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est fini ou pas chez elle. Il faudrait que j'aille me remettre à jour. Mais voilà. Ensuite, en HAED, j'avais prévu de travailler sur la japonaise et sur le Eden Harbor. Donc, c'est le paysage. En Stitch Mania, je voulais travailler donc sur le Fox de Cottage Garden, sur la demeure de charme de Poussière d'étoiles
Et sur le sampler, je ne sais plus le nom. Est-ce que je l'ai là? Non. Mais ça y est, je vais vous le remettre en barre d'infos. Ça vient du site deux fois Stitch Art. C'est un nom comme ça, sur Etsy. Et en broderie point compté, j'avais prévu le Bouddha et les pans. Voilà. Et ensuite, le tricot, je devais faire le pull fil d'art. Excusez-moi. Le pull fil d'art et le débardeur de chouchou. Voilà. Ça, c'est ce qui était prévu au niveau des roues. Maintenant, vous allez voir ce que j'ai fait. Alors, la vidéo va se comporter. Donc, je vais vous montrer en premier ce que j'ai brodé. Voilà, dans toutes les catégories. Je vais vous dire ce qui est prévu normalement pour le Stitch Mania pour la semaine prochaine. On refera un tirage au sort avec les roues. Et on parlera projet. Voilà. Et un peu achat. Mais les achats, il n'y en a qu'un tout petit que vous verrez aujourd'hui. Un tout petit. Et il y a d'autres achats qui doivent arriver, mais qui ne sont pas encore arrivés. Je pense qu'ils arriveront lundi ou mardi. Donc, je vous ferai une vidéo dans la semaine pour ces achats-là. Alors, ça fait 6 minutes 50 que je vous parle. Et j'en ai déjà un qui veut le pipi. C'est Géry. Bon. Et Pacha. Voilà, il se lève aussi. Donc, je me mets en pause, mais je suis là tout de suite pour vous. Me revoilà. Vous voyez un œil là qui dépasse. Du coup, j'en ai profité. Je me suis préparé un verre de thé pêche. Parce que je sens que je vais avoir soif. Alors, de temps en temps, ça bouge. Là, ce n'est pas mon grand pied que je mets le samedi soir. C'est un petit. C'est un petit qui vient de chez Action. Et il n'est pas très, très stable. Il va falloir que je m'en trouve donc un petit, mais qui soit stable. Celui-là, il est un peu bancal. Voilà. Le Stitch Mania, cette semaine, j'avais prévu quoi? De faire le lundi un achat ED, de faire un UFO mardi, donc travailler sur le calendrier de l'Avent, mercredi faire le sale mystère. Ah oui, je voulais commencer une broderie. Non, attendez, je suis où? Non, je suis là, je me trompe de semaine, pardon. Je voulais commencer lire les points des cookies et faire un achat ED, travailler sur les ronds, ressortir ma broderie du Rain Jones de Noël, travailler sur le Caroline Manning, faire un achat ED, le pan, le calendrier de l'Avent, donc ça c'est un ancien, une broderie oubliée, enfin pas oubliée, mise de côté. La maison météo, bien sûr, et le sampler. Bon, ça, c'est ce qui était prévu sur mon papier de Stitch Mania. Alors, on va commencer par quoi? Non, je fais les grandes après, comme d'habitude. Et ici, les petites. Alors, ça, je ne l'avais pas prévu. Ça commence bien. Hein. Je ne l'avais pas prévu, mais j'ai eu envie de la sortir aujourd'hui. Ce samedi. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, je vais essayer de vous remettre au mieux que je peux, bien sûr, comme d'habitude. Alors là ou là, je verrai. Alors, si je me mets comme ça, voilà. Je pourrais vous mettre la photo là. Comme ça, ne sera pas coupé. C'est pas grave. Donc, j'ai travaillé un peu sur mon
salle de Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est un modèle de chez All Forest, un modèle gratuit qui existe en deux versions. Il y a la version tricolore, donc trois couleurs, c'est moi, celle que moi je fais. Et il y a la version multicolore, je ne sais plus combien il y a de couleurs, il doit y en avoir une dizaine, je crois, mais je ne suis pas sûre, je ne l'ai plus en mémoire. Donc, voilà. Alors, je crois que ça va être plutôt dans l'autre sens, mais bon, on verra. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ça, le petit pot, là, le petit pot de fleurs et la frise que j'ai commencé ici en haut. Voilà. Donc, très, très sympa à faire, très agréable. Bon, le seul petit souci, entre guillemets, c'est que on le brode en version papier, donc on griffonne, hein, on imprime et on griffonne, parce que on ne sait pas le mettre sur Pattern Keeper. Enfin, moi je n'ai pas su, et les filles de mon groupe qui le brodent avec moi, pareil, n'ont pas su le mettre sur Pattern Keeper. Mais bon, c'est pas très très grave. Puisque de toute façon, c'est de la broderie partielle. Donc, c'est pas très, très compliqué de suivre le patron. Voilà, le patron, mais papier. Alors, je vous avais dit, je crois que je vous en ai parlé, hein, il y a une toute petite erreur. J'ai un décalage ici. Alors, je ne sais plus si je devais faire deux points d'écart ou trois. Mais là, il y en a deux. Voilà. Et là, il y en a trois. En marchant vite, ça ne se voit pas. Il y a juste qu'il va falloir que je fasse attention de bien me repérer. Donc, de bien, comme ici, vous voyez, j'ai la colonne, la fleur, je l'ai bien alignée par rapport à la colonne qui est ici. Donc, quand je ferai le pot comme ça, ici, c'est pareil, je ne vais pas m'occuper de l'écart où je me suis trompée. Je vais bien prendre par rapport à la colonne. Voilà. Donc, il va y avoir en vertical, tout du long de ma... Sur toute ma broderie, il y aura un décalage d'une croix. Mais ça ne se verra pas. C'est un point de décalage, donc ça ne se verra pas. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis contente de l'avoir choisi en trois couleurs. Moi, ça me suffit. Donc, il y a du... Il y a... Attendez, est-ce que j'ai la liste des couleurs, là? Je ne suis pas sûre. Non, bien sûr, je n'ai pas la liste des couleurs. Mais j'ai... Ah, ben non, je suis bête. Ah oui, il faut que je remette du vert. J'en ai plus. J'ai fini tout à l'heure. Mais il me reste une aiguillée. Alors, le 30-21, voilà, donc le 30-21, bah, c'est le vert, c'est celui-là. Oui, il me reste ça. Donc là, il faut que je refais une échevette. Moi, je vais sûrement en trouver une dans mon stock. J'ai le 221, voilà, donc c'est le bordeaux comme ça. Et l'écru. Oh là, mon anneau, il était ouvert, je n'ai pas fait attention. Et l'écru, donc voilà. Donc, moi, là, les trois couleurs, ça me suffit. C'est très bien. Ça change. Et voilà, ça me va très, très bien comme ça. Le multicolore est très joli aussi. Hein, mais je n'avais pas envie de le faire. Donc, là, tout simplement. Alors, celui-là, on prévoit de faire 1000 croix. Alors, environ 1000 croix. Puisque là, comme on fait sur papier, c'est un peu plus compliqué à compter. Hein. Mais on essaye de faire environ 1000 croix par mois sur notre broderie. Voilà. Hop. Alors, je vais la poser là, je la remettrai dans son sac après. Comme ça, je sais ce que je vous ai montré. Donc là, est-ce que j'avais marqué? Oui, j'avais compté, aujourd'hui, j'en avais fait 290, à peu près, plus ou moins. Ensuite, ça c'est quoi? Est-ce que j'ai travaillé? Oui, j'ai travaillé dessus.
Alors, ça, je l'avais prévu. La roue me l'avait sorti. Hop. Alors, c'est un modèle All Forest également. Voilà. Donc, c'est les ours de Noël. Alors, voilà ce que j'ai fait cette semaine. Donc là, j'ai fait tout le beige marron, là, tout le marron de l'ours. Voilà. J'ai fait le bas des quatre sapins, donc le dernier rang, là, enfin le dernier triangle des sapins. Et la petite frise qui est ici. Voilà. Donc là, j'ai pas arrêté mon fil, puisqu'après la frise, elle va continuer. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas la peine d'arrêter mon fil. Et donc, voilà pour l'ours, ce que j'ai fait. Donc tout le marron est fait. Ben, ce n'est pas vraiment marron, c'est Gingerbread House. Ou c'est le chicorée. Alors attendez, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, non, c'est ce que je disais. C'est Gingerbread House. C'est le 407. Voilà. Donc là, il me reste à mettre le vert. Il va y avoir quoi? Du vert dessus, du blanc. Je crois que c'est tout. Oui, il y a deux couleurs à faire. Ah, j'avais encore du marron là. Tiens, je ne les ai pas fait. Ah, ben si, je les ai fait. Non, les fleurs. Oui, je les ai fait. Et après, il me restera une frise ici en bas à faire. Voilà, donc je vais d'abord finir mon ours et après je ferai la frise qui vient ici en bas. Voilà, je vous montre sur l'image. Voilà, donc là, je suis en, ça, celui-là est déjà fait. Là, je suis en train de faire celui-ci. Donc le petit ours papy avec ses lunettes. Voilà. Et j'aurai encore un bout de frise donc à faire. Ici. Alors là, on le fait avec une, deux, trois, quatre. Il y a cinq couleurs. Voilà. Il y a juste cinq couleurs. Donc ça va très bien. Ouais. Et puis il y a du point nœud, point arrière, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Hein. Donc là, je l'ai plié. Mais sur le premier ourson, il fallait faire des points nœuds ou alors mettre des perles. Voilà. Donc la plupart d'entre nous ont choisi des perles. C'est plus joli, je trouve. Donc voilà. Alors lui, on a fait. Enfin, moi, j'ai fait plus ou moins 250 croix pour cette fois-ci sur mes ours de Noël. Ensuite, ça j'ai pas fait le sale de Julia. Non, je l'ai pas fait, je l'avais prévu mais je l'ai pas fait. Je me rattraperai cette semaine, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la course, hein. Je fais mes 1000 points par mois, c'est bien, je les fais pas, c'est pas grave. Je vous remontre où j'étais arrivée. Bon, là, vous ne voyez pas le bas, mais je vous remettrai une image, enfin une photo. Voilà. Alors, il faut que je regarde. J'ai commencé à regarder dans mon stock, mais je n'en ai pas trouvé. Le vert, là, ben, je suis en panne aussi de ce vert-là. Et ah ben là, je ne l'ai pas. Je ne sais plus c'est le combien. Donc, je ne sais pas si c'est les deux mêmes. Mais il faut que je regarde dans mon stock. Je sais pas, il y a que le vert, je tombe en panne. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais en trouver dans mon stock, hein, de toute façon. Voilà. Mais alors, celui-là, il est vraiment super agréable à faire. Je le fais sur une toile étamine, 14 fils, style lin, voyez. Elle est vraiment très, très agréable à broder. C'est une toile que j'avais rachetée à une copinette qui est sur mon groupe. Voilà. J'en avais même encore acheté un autre coupon, le reste qu'elle avait.
parce que j'aime vraiment beaucoup cette toile-là. Voilà. Oh. Allez, rentre chez toi. Alors du coup, bah, celui-là, je n'ai pas brodé dessus. Je n'ai pas fait mes carottes. Elles n'étaient pas prévues, hein, mais bon. Toi, non, pas toi, je cherche. Ah, ici. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup la différence, mais pourtant, j'ai brodé pas mal dessus. Il est où? Ouais, j'ai fait 307 croix. Donc, celui-là, je le fais avec Pattern Keeper. Hop. C'est le Bouddha. Voilà. C'est le Bouddha. Donc, c'est un modèle gratuit de chez Poussière d'étoiles, de la boutique à Sabine. Là, le visage commence à être bien rempli. Il me reste quelques petites croix à droite, à gauche à faire. Et donc, bon, du coup, avec la photo, je ne sais pas si vous voyez une différence ou pas. C'est un peu compliqué. Mais il avance. Il avance, il avance. Mais je suis quand même qu'à 37,06%. Là, aujourd'hui, j'ai fait 307 croix. En tout, il y a eu, je vais vous dire ça, combien de croix elles ont déjà été faites. Il est là. J'ai fait 4766 croix sur 12859. Voilà. On dirait pas, hein. Mais je l'aime beaucoup. Alors lui, je le brode sur une étamine 12.6 bleu ciel, voilà, que j'avais eu à la maison du canevas. Alors je vous montre pas l'arrière. Oh puis si, moi je m'en fous, je rigole. Regardez mon arrière. Je vous ai vu, vous avez rigolé, vous êtes mort de rire derrière votre télé, votre écran. Ouais, je tire mes fils parce que c'est très très confetti. Donc je tire. Je vais pas m'amuser à arrêter mon fil à chaque fois. Donc je tire. De toute façon, quand il sera encadré, c'est ce morceau-là qu'on verra. Ce n'est pas derrière. Donc je m'en fiche. Voilà. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais il y a quelques années. Quand c'était encore beaucoup plus la mode des forums. Voilà. D'ailleurs, j'en ai vu hein, cette semaine de forums. Je dis, tiens, il y a encore des forums qui fonctionnent. C'était un forum de broderie. Bon, ça n'a pas. Et à l'époque, donc moi, j'avais un forum et j'avais un monsieur qui brodait, qui était sur le forum. Je n'ai jamais compris comment il faisait. Des fois j'ai essayé, moi, mais j'arrive pas, je ne comprends pas. Ici, donc, c'était le point de croix, mais vous aviez exactement la même chose derrière, en point de croix. Ça fait qu'il pouvait faire ça avec sa broderie. C'était pareil des deux côtés. C'était du point de croix des deux côtés. Il n'y avait pas un fil qui dépassait, il n'y avait pas un nœud, il n'y avait rien, rien. Rien. Oh, j'étais admirative et bon, mon forum, je l'ai perdu, je sais même plus. Et puis bon, je n'ai plus de nouvelles de ce monsieur, ni vu de photos de ses ouvrages, mais alors j'avais vraiment été très impressionnée. J'ai jamais compris comment il faisait. Des deux côtés, vous pouviez regarder des deux côtés, ben, c'était la même chose. Un peu dans le style, je regarde beaucoup ça sur Instagram. Je ne sais pas si vous voyez de temps en temps des brodeuses, je crois que c'est des brodeuses chinoises, ça doit être la Chine ou le Japon, qui brodent sur des toiles transparentes. Mais alors, eux, c'est encore pire parce que, bon, là, ce n'est pas du point de croix qu'ils font, c'est vraiment un peu du point lancé ou des choses comme ça. Mais elles se mettent des fois à deux à broder, donc une de chaque côté de la toile.
elle brode le même motif, c'est en vœux. Bon, là, comme dernièrement, j'avais vu avec des poissons rouges. Mais il y en a une, son poisson rouge était blanc. Et l'autre, son poisson rouge était rouge. Mais c'était le même poisson. Je sais pas si je retrouve là. Les broderies qu'ils font là-bas, c'est... Oh, c'est extraordinaire. Alors, attendez, je regarde juste une minute pour voir si j'en trouve. C'est comme elle, ici. Alors, c'est Catherine Vattes. Elle fait de la broderie, pareil. On dirait de la peinture. Mais alors... alors, attendez, je vous mets... Alors, je vous montre sa page, déjà. Regardez. Oh, excusez-moi. Ah bah, voilà. Là, il y a une vidéo. Regardez ça. Voyez. Et elle, c'est une merveille qu'elle fait. Elle vend. Je suis en train de chercher une photo. Voilà, en voilà une par exemple. Voilà, regardez. C'est rempli de points nœuds, de petits points lancés. Mais on dirait une photo. On dirait. Voilà. Si vous voulez aller voir sa page, c'est Catherine Vattes. Katrin.vattes. Si j'y pense, je vais me le marquer, ce que je dois vous marquer en barre d'infos. Comme ça, je ne vais pas oublier. Je vous mettrai le lien ou tout au moins son pseudo. Comme ça, vous irez voir. Mais alors, c'est magnifique, comme dirait une certaine brésilienne. Alors, je voulais vous montrer. Vous allez voir que je ne vais pas en trouver là. Bien sûr, pourquoi je n'en trouve pas aujourd'hui. J'en vois tous les jours, hein. Et là, aujourd'hui, niette. Hein. Je ferai après, il y a un concours pour gagner des fils à broder. Non, mais je ne trouve pas. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ah oui, je le marque et je vais vous en parler à la fin. Hop. C'est rien, c'est toujours un peu décousu, hein, mes vidéos, mais voilà. Vous avez l'habitude avec moi. Bon, je vois de tout en vidéo aujourd'hui, mais je ne vois pas ce que je veux vous montrer. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, tant pis. Si j'arrive à trouver une vidéo, je vous la mettrai. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc... il brode sur des toiles transparentes comme du voile, mais c'est magnifique. L'autre jour, ce que j'ai vu, d'un côté ça faisait le tigre et de l'autre côté ça faisait la panthère, mais c'est exactement au même endroit et tout, hein. Je suis admirative de ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, parce que j'ai beau regarder. Je vois bien, mais je n'arrive pas à comprendre le truc de passer. Est-ce qu'elle se passe les aiguilles? Mais je ne comprends pas. J'y arrive pas. Hop. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Ben, je vais déjà remballer mon petit Bouddha. Alors, je vous ai dit le nombre de points, oui, 307 points, aujourd'hui, cette semaine. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est celle-là? Oui, celle-ci, j'ai travaillé dessus. Je suis contente. Ah, je commence à voir. Enfin, je vois pas encore le bout. Mais j'arrive sur les derniers moments de la broderie. Alors, celle-là, je l'ai faite quand? J'ai faite mercredi. Et j'ai bien. Alors, on dirait pas, mais j'ai bien travaillé dessus. J'ai fait 506 croix. Donc, je vais vous mettre la photo hors cadre, puisque là, elle est sur un QuickSnap. Et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, c'est la broderie, le sale mystère de poussière d'étoile. Bon, qui n'est plus un mystère hein, maintenant, parce que ça va faire bientôt 2 mois qu'il est terminé, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je suis sur la tête du faon. Donc, j'ai fait tout ça. Donc, il y a quelques points de son oreille qui sont faits là. Là, son museau, voilà, le début de son cou, et la fleur, non, ici, voilà, la fleur ici. Donc là, il me reste à terminer, bon, un peu cette partie-là. Là, j'en suis à combien? Allez, oh. Voilà. Hop, donc celui-là, il est là. Ouais, il me reste. Alors, il me reste l'oreille à faire ici. Et là, au niveau de l'œil, il reste quelques points à faire. Vous voyez? Voilà. Et cette avant-dernière étape sera terminée. Donc là, il va me rester la plus grosse, donc le reste de la tête. Vous voyez, on voit sur l'aimant. Donc il me restera tout le reste de la tête et le reste de son dos ici. Et je crois qu'il y a un petit peu de feuillage au-dessus. Voilà. Mais il est agréable à faire. Bon, de toute façon, j'ai pris un retard énorme, hein, mais je m'en fiche. Le principal, c'est que je le termine, que je l'encadre, que je le mets au mur parce qu'il est vraiment trop, trop beau. Et là, maintenant que j'arrive au bout, c'est vrai que je suis un peu plus boostée pour aller plus vite. Et là, la dernière partie qui me reste à faire, donc la dixième, c'est la plus longue. C'est la partie la plus longue. Mais ça va, bon. On va dire, je me donne. J'espère moins, mais je vais me donner 1 mois pour le terminer. Voilà, pour être sûre. J'espère que je vais tenir le rythme. Je voudrais bien que dans 1 mois, il soit terminé quand même maintenant. Non. Quand j'aurai terminé ce pan. Parce que j'ai plusieurs broderies de Sabine qui sont commencées. Voilà, je finirai celle-ci. Enfin, je continuerai et finirai. D'ailleurs, il faudra que je la change de. Je l'ai dit l'autre jour, mais je ne l'ai pas encore changée. C'est la grenouille. Hop. Voilà, c'est la grenouille. Et ça, c'est un modèle aussi de poussière d'étoile. Voilà, ça, c'est un modèle payant. Hein. Par contre. Le sale mystère, pareil, maintenant vous pouvez le retrouver en grille complète à l'achat. Et donc vous pouvez le trouver, alors je vais vérifier, je crois que vous pouvez l'avoir en kit. Où est-ce que j'ai... Je vais taper. Fifi, tu m'as fait peur. Il y a mon verre, si tu fais tomber le verre sur les broderies. Mets ton cul ailleurs. Alors, poussière d'étoile, voilà. Je profite pour boire le temps que ça s'ouvre.
Voilà. Alors, fiche point de croix. Donc, oui, en fiche, vous le trouvez, mais c'est pas ça que je voulais voir. Voilà, kit. Alors, en kit, vous avez Mr. Beer, Mr. Fox, le papillon de nuit, la couronne papillon, l'abeille, la Winter House, la Autumn House, le Love Cake, Summer House, la Coxie, la Spring House, la grenouille. Voilà, c'est ça. La grenouille est encore en kit. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. Mr. Beer, le Tea Time et Demeure de Charme. Voilà. Donc, tout cela, vous les avez en kit complet. Donc, vous avez la grille, bien sûr. Vous avez les fils. Vous avez le trifil avec les perles, s'il y a des perles. Voilà, un fil spécial, s'il y en a, ça peut arriver. Et vous avez une pochette de rangement. Et vous avez... le choix pour la toile, soit de l'Aïda 5.5, de l'Aïda 7 ou de l'étamine 11. Voilà, pour les kits, c'est de la 11. Et les box, quand c'est de l'étamine, c'est de la 12, 12.6. Voilà. Je vous remettrai également, de toute façon, je crois qu'il y ait en permanence le lien de la boutique de poussière d'étoile en barre d'infos. Avec un code promo si vous n'avez jamais commandé chez Sabine. Voilà, vous tapez Didit en majuscule et vous aurez 10% sur votre première commande. Voilà, j'en profite en même temps, je vous le dis. Donc voilà, quand j'aurai terminé mon fan, je vais m'atteler à ma grenouille pour la terminer. Ça fait un petit moment qu'elle est commencée et il serait peut-être temps que je m'occupe d'elle. Voilà. Bon, si j'ai pas fini le fan mais que j'ai terminé notre broderie, ben bon, c'est pareil, je me mettrai sur ma grenouille. Malgré que je vous dirai après. Alors, ça c'est bon. Il va falloir que je trouve un autre rangement parce que au niveau des sacs, ça commence à. Alors, je profite pour vous montrer ceux où je suis en retard. Hein. Après, je vous montrerai les grands. Je n'ai toujours pas touché. Alors, là, j'ai honte. J'ai vraiment honte de moi, puisque c'est moi qui organise le sale. Les filles sont arrivées à la cinquième étape ce mois-ci. Moi, j'en suis toujours à la troisième. Je n'ai pas fait un point depuis la dernière fois. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Là, j'ai honte de moi. Parce que là, je suis très, 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 très en retard. D'ailleurs, celle-là, je vais très certainement m'y remettre. Ben là, je vous parle, on est samedi soir. Je vais faire le montage de la vidéo dimanche matin. Je pense qu'en faisant le montage de ma vidéo, je vais me mettre dessus. Parce que là, non, c'est pas bien, Didit. Non, 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 non. C'est pas bien du tout. Non, il faut que je tape dedans celle-là parce que là, là j'exagère. Donc ça, c'est un modèle Riolis. Est-ce que j'ai le dessin là? Oui, voilà. Donc, c'est ce modèle-là. Voilà, c'est le modèle Riolis. Donc, c'est le modèle que moi, j'avais choisi pour le sal du Nouvel An. Chaque année, enfin, c'est la deuxième année que j'organise un sal pour le Nouvel An. Et on devait choisir l'automne ou l'hiver. Et donc, là, j'ai choisi, pour moi, j'ai choisi l'hiver. D'ailleurs, je profite pour vous dire que je commencerai à parler du nouveau sal du Nouvel An au mois de juillet. Voilà, je commencerai à en parler. Ouais, je pense que ça va aller en juillet.
Comme ça, en même temps, il va y avoir les soldes après. Donc, je préfère en parler avant les soldes. Comme ça, si vous voulez participer au prochain sale du Nouvel An qui démarrera le 1er janvier 2025, ça vous donnera de juillet à fin décembre pour trouver votre kit sur le thème que j'aurai donné. Je n'ai pas encore vraiment le thème en tête. Là, l'année dernière, on avait fait l'été, le printemps ou l'été. Là, on a fait l'automne ou l'hiver. Donc là, je vais voir pour l'année prochaine. J'ai envie de faire peut-être deux fêtes. Vous aurez le choix entre deux fêtes. Peut-être, je ne sais pas, hein, je dis un exemple, peut-être Halloween et Noël. Vous choisirez entre Halloween et Noël ou alors une autre fête. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai déjà des petites idées en tête. Mais je vous en parle en juillet. Donc j'en parlerai sur le groupe, bien sûr. Je ferai un post spécial pour ça, en donnant toutes les caractéristiques que vous aurez besoin. Vous pourrez faire du point compté, bien sûr. Vous pourrez faire de l'estampé. Je donnerai une taille de broderie à, pas à respecter, une moyenne, voilà. Donc vous pourrez faire un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand. Ce sera à vous de voir, suivant vos capacités et votre temps de broderie. Et voilà, mais je donnerai deux thèmes et donc vous choisirez un des deux thèmes, comme on a fait cette année et comme on a fait l'année dernière. Et je vous en reparle en juillet. Donc je ferai un post sur le groupe et je ferai une vidéo sur ma chaîne pour en parler. Non, non. Allez, panier. Panier. Non, 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 pas maintenant. Donc voilà, bah celui-là, je vous dis, là, je vais me mettre dessus demain matin d'office. Pour les petites broderies, c'est tout, je crois. Alors, je vous ai montré les ours de Noël. Ça, c'est une grande, donc je vais vous la montrer. Le sale mystère, je vous l'ai montré. Le Bouddha, c'est fait. Celui-là, c'est dans le Stitchmania. C'est un petit aussi, mais enfin un petit. C'est un normal, mais je vais vous le montrer. Ça, c'est pareil dans Stitchmania. Et la broderie Alice, je vous l'ai montré. Voilà. Je fais juste une pause de 2 minutes pour ranger ce que je vous ai montré. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Me revoici. Alors. On va parler des broderies Stitchmania. Donc, dans celles que je vous ai montrées, bien sûr, elles sont dedans, hein. Et ça, c'est mon sac de Stitchmania, mais les UFO et les nouveautés que je devais faire. Voilà. Alors, j'ai. Non, déjà pas celui-là. Si je prends le sac dans l'autre sens, je serais sûre d'avoir les bons broderies. Voilà, celui-ci. Alors, celui, je l'adore celui-là. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à l'aimer. C'est The Fox de Cottage Garden. Voilà, il est. J'adore. Donc le voici. Voilà où j'en suis. Donc il est trop agréable à broder. Vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé dessus. J'ai fait, alors j'ai calculé à peu près, puisque là c'est en papier, plus ou moins 350 croix. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cet ouvrage. Alors, il est sur une étamine 12,6 vintage grise. Voilà. Donc, c'est une Murano.
voyez, on voit les marbrures un peu. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est une broderie que j'ai commencé pour le Stitch Mania. Mais il est vraiment très, très agréable à faire. Alors, j'ai vu sur une vidéo, oh, je me souviens plus de son nom. Désolée, je sais plus. Qu'elle est tombée en panne d'un fil. Donc, je vais m'en recommander un, parce que j'ai pas envie de tomber en panne. Alors là, exceptionnellement, vous voyez, ils sont sur un trifil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, je les ai mis sur un trifil. Et la couleur que cette youtubeuse brodeuse est tombée en panne, alors, je vais vous... c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est le blanc, comme ça. Voilà. Elle n'est pas tombée en panne de beaucoup, mais bon, ben, elle est tombée en panne quand même. Alors, je ne sais pas si celles qui l'auraient déjà fait sont tombées en panne aussi sur ce fil ou pas. Mais par précaution, je vais même reprendre je vais reprendre le deuxième aussi, le Burnt Orange. Voilà, celui-là. Je vais en reprendre un également. Parce que je ne voudrais pas tomber en panne et puis qu'ils soient en rupture de stock ou quoi. Donc c'est celui-là. Il est trop trop beau aussi. Donc je vais reprendre ces deux-là. Une échevette de chaque, hein, ça me suffira. Pour être sûr de ne pas tomber en panne. Puis même si jamais je m'en sers pas, ben ça pourra me servir pour une autre broderie. Hein, ça, c'est pas très grave. Comme là, de toute façon, je vais devoir passer une commande chez de mère en fille. C'est là que je l'avais eu, hein, cet ouvrage et les fils. Ben, au moins, bon, je ne tomberai pas en panne. Normalement, il y en a en stock, je crois que j'avais vu. Voilà. Mais je n'ai vu que elle qui est tombée en panne. Alors, est-ce qu'elle a eu pris beaucoup de fil, qu'elle a tiré beaucoup derrière ou pas, je ne sais pas. Ça peut arriver aussi. Mais là, comme c'est du fil un peu plus cher quand même, un peu plus qualitatif, j'essaye moi de faire attention, de ne pas trop tirer mes fils pour ces deux couleurs-là. Les autres, c'est des DMC. C'est un peu moins grave. Mais donc, je vais regarder d'ailleurs. Normalement, il y en avait en stock, j'ai vu cette semaine. Il est là. Alors, par contre, je n'ai toujours pas, ils sont toujours pas en stock. Les fils, vous savez, pour le sampler que je vous ai montré lors d'un déballage de commande de chez Mère en Fille. Il n'y a toujours pas les fils sur sa boutique et je les trouve nulle part ailleurs. Et là, je suis embêtée par contre. Parce que du coup, je ne peux pas commencer cette broderie puisque je n'ai pas les fils. Alors, Ah mince, le châle, il est en rupture. Oh. Ah zut, il est en rupture. Alors, attendez. Je vais mettre une alarme. Comme ça, je le saurai. Quand est-ce qu'elle en aura? Ah, je suis dégoûtée là. Et l'autre, j'ai dit qu'il s'appelait comment? Excusez-moi, hein, je fais mes petites commandes en même temps. Le Burnt Orange. Oui, c'est des échevettes là, c'est qui font 4,6 m. Donc c'est pas très très grand. Le Burnt Orange, il est où?
Bon, il est où? Ah, le voilà. Et non, oh, il est en rupture aussi. Oh mince. Bon, allez, on va mettre une alarme. Voilà, comme ça, quand elle reçoit les produits, ben, je reçois un email. Donc voilà, quand il y a un produit qui est en rupture sur de mère en fille, vous avez un petit onglet pour demander la notification quand ça rentre en stock. Bon, ben, pour l'instant, j'ai ce qu'il me faut. On va croiser les doigts pour ne pas tomber en panne. Voilà, alors celui-là. Je vous avais dit, donc j'ai environ 350 croix. J'en ai commencé un deuxième que j'avais prévu également pour le Stitch Mania. C'est un modèle de poussière d'étoiles, et celui-là, vous allez le connaître parce que il vient de la dernière box. Voilà, demeure de charme. Alors, j'aurais pu avancer plus, mais je me suis aperçue que j'avais fait une erreur. Et du coup, j'ai dû démonter les 2-3 rangs pour corriger mon erreur. Du coup, ben, j'aurais pu avancer plus, mais voilà. Je sais, je n'ai pas beaucoup avancé, mais voilà où j'en suis. Donc, ça correspond à la fenêtre ici qui est au-dessus de la porte. Alors, le blanc sur blanc, on ne voit pas beaucoup, hein, mais après, avec les couleurs qui vont venir autour, ça se verra beaucoup mieux. Alors, il y a de la demi-croix, il y a du quart de croix dans cette broderie. Il y a également du point arrière et de la pose de perles et du point nœud. Sabine nous a fait la totale. Mais voilà, elle est très agréable à faire. Elle est sur une étamine. Alors, blanche irisée. Voilà, 12,6. Donc, elle brille, elle brille, elle brille. Elle est très, très belle. Et très agréable à faire. Et je vous dis, si je n'avais pas fait cette erreur, ben, j'aurais avancé un peu plus. Mais bon. J'ai démonté, j'ai rebrodé, parce que je m'étais trompée et j'ai avancé encore un peu dessus. Mais voilà, j'ai pas pu faire plus. Par contre, la demeure de charme, j'ai quand même fait 223 croix. C'est toujours ça. J'en suis à 4,45%. Alors, sur les nouvelles broderies, ben, c'était tout. Je vérifie, mais oui, je crois que c'était tout. J'en avais pas fait d'autres. Hein. Ah, si, si, si. Je suis bête. Mais j'ai pas avancé dessus cette semaine. Non, je crois que. Non, cette semaine, non, mais je vous remonte. Donc, c'était le Caroline Manning. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu la fois dernière. Hein, j'en étais là. Donc, là, j'ai pas avancé, mais j'espère avancer dessus cette semaine. Et c'est le Garden Gift. Voilà, c'est celui-là. Donc là, j'en suis là. Hop, avec un pétale. Non, deux pétales. J'ai fait deux pétales. Mais ce n'est pas une très grande broderie. Hein. Elle n'est pas très, très grande. La toile doit faire dans les 30 cm, je crois. 30, 35. Donc, alors là, par contre, je brode. Je sais pas, voilà, sur une étamine. J'ai tellement l'habitude de l'étamine, sur une Aïda 8. Voilà, je brode en deux fils. Hein. J'aime pas beaucoup en un fil. De toute façon, j'en fais pour ainsi dire jamais en un fil. Je préfère le deux fils, c'est plus en relief, je trouve. Bon, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien, c'est pour tous les goûts. Hein. Et puis, on brode, de toute façon, on brode comme on aime. Donc le modèle, il est possible de faire comme on veut avec ce modèle. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le Fox. Et donc, j'en ai encore d'autres à commencer.
Bon, le mois n'est pas terminé. Hein. J'ai celle-ci, je vous l'avais montrée. La... Ouf, c'est tout qui tombe. Allez. Bon, elle veut pas. La Lucas, voilà. Donc celle-là est prévue. Je l'ai prévue dans le Stitchmania. J'espère pouvoir le commencer cette semaine. Parce que bah, le mois, il va bientôt être fini. on est combien? Je rigole, là. On est le 18-19. Donc, ça va. J'ai encore 10-12 jours pour travailler sur mes Stitchmania. Donc, j'aimerais bien commencer celui-là. En plus, ces couleurs, regardez, elles sont super belles. Alors là, on brode sur une Aïda 16. 16CT, une 6.3. Et c'est une toile qui est quadrillée en écru. Vous voyez, on voit le quadrillage. Et j'ai 57 couleurs. Et je crois qu'il va être superbe hein, celui-là. Ouais. Je dois commencer également. Celui-là. Alors j'espère pouvoir vous le commencer ce mois-ci, en sachant que le mois prochain, je vais vous en parler dans mes projets, je commence un Lily Point en duo. Malheureusement, je ne vais pas commencer que ça, mais bon. Je dis malheureusement, mais non. Là, c'est tout. Et après, c'est tout. Alors les UFO, j'ai pas pu y toucher, j'ai pas eu le temps. Donc les UFO, ça devait être, il est là, ouais, j'en ai un ici. Donc c'était le Duran Jones, voilà, pour continuer. C'est là où je m'en étais arrêtée l'année dernière, hein. Voilà. Donc là c'était le sapin. Au milieu, je crois que c'est un Père Noël. Je sais plus exactement. Il faudrait que je regarde. Voilà. Donc, il faudrait que je me mette dessus. Surtout qu'il est petit. Hein. Là, j'exagère. Hein. C'est de ma faute. Il faudrait que je tape dedans pour m'y remettre. Donc, ça, c'est un UFO que j'avais... Alors, j'en ai beaucoup, hein, les UFO. Donc, c'est... Les UFO, c'est les ouvrages que l'on a mis un peu de côté, qu'on a oublié, qu'on a laissé dans les fonds des tiroirs. Voilà, c'est ça les UFO. Et le deuxième UFO, il est... Oh, il y a la toile. Il est là. Donc c'est pareil, c'est un modèle pour Noël. C'est le calendrier de l'Avent que j'avais organisé l'année dernière. Et comme je vous ai dit, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, c'est-à-dire que ben, moi, ben, voilà où j'en étais seulement. Donc, il faut que je me remette dessus également. Mais bon, une case... Il faudrait que je... Même en dehors du Stitchmania, là, il faudrait que je sorte faire une case. Une case par semaine. Voilà. Vous voyez. C'est celui-là. Donc voilà, dans mon sac. Ah oui, puis j'ai toujours la broderie traditionnelle que je n'ai pas encore eu le temps de commencer. Celle-ci. Voilà. Que j'ai prévue aussi dans mon Stitchmania. Voilà. Alors, en parlant de Stitchmania, on va faire tout de suite le tirage avec la roue pour le Stitchmania. Elle est où ma roue? Elle est là. Comme ça, on va voir ce que je vais faire cette semaine.
Alors, voilà, Stitch Mania. Donc, dessus, il y a les cookies. Il y a Caroline Menning. Il y a la demeure de charme, l'aquarium de Lucas, le sampler. Ah, le sampler, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer après. Le Fox, l'UFO de Duran Jones, c'est l'UFO calendrier de l'Avent. Voilà. Allez, on va faire un premier tirage au sort. Ah bah, le Fox. Alors, je vais me les marquer en même temps, hein, parce que sinon, avec ma petite tête de poisson rouge. Donc, le Fox. On va en tirer un deuxième. Non, pas le Fox. Non, pas le Fox. Bon, alors, allez, arrête-toi. J'attends qu'il s'arrête. Voilà. L'aquarium. Ouais. Youpi, c'est l'aquarium. Alors, je vais marquer Lucas, ça va plus vite. Voilà. Allez, soyons fous, on en tire un troisième. Un UFO. Alors lequel? Le calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, j'en tire trois au sort, mais peut-être que j'en ferai quatre, ou voilà, si. On verra. Qu'est-ce que je vous ai montré? Les broderies point compté, ben on va les tirer au sort maintenant. Où elles sont? Ah, ici. Alors, le titre, c'est toujours marqué rond, donc vous n'en tenez pas compte. Hein. Ah, pub TikTok. Allez, ignorer. Ignorer. Ouais. Non, je n'installe pas. Je l'ai désinstallé, c'est pas pour le réinstaller. Allez, hop. C'est quoi là? Ah, je n'arrive pas à lire à l'envers. Ah, bah la grenouille. Bon, pourquoi pas. Il veut que je fasse la grenouille, on va noter la grenouille. Hein. Voilà. Un deuxième. Alors, je vais en tirer trois de chaque cette semaine. Là, c'est le Bouddha. Je vais me faire une semaine spéciale poussière d'étoiles. Et là, oh, j'arrive pas à lire à l'envers aujourd'hui. Oh non, oh, pas mes carottes. Mes carottes. Pas mes carottes. Non, pas mes carottes. Bon, vous voulez les carottes, on va noter. Hein. Alors, ceux qui ne. Ah, bah, je l'ai dit, j'ai déjà remis le sac en place. Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, ou que c'est la première fois qu'ils viennent, ils vont se dire, mais à quoi comptent les carottes? C'est un lily-point, et j'en suis arrivée à la fin, mais au feuillage. Et c'est une prise de tête. Mais bon, on fera les carottes. Hein. Voilà. On va tirer au sort les salles. Voilà. Hop.
Julia, le All Forest de Julia. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, je ferai d'office le nouvel an, hein, je vous l'ai dit. Demain, dimanche, je ferai le. Bah, voilà, quand on parle du loup, hein. J'ai pas fait exprès. Le sale du nouvel an. Allez, un petit dernier pour la route. Ah ben, ce sera le mystère. Donc le sale de poussière d'étoiles. Voilà. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc en salle, il y aura le salle All Forest de Julia, le salle du Nouvel An et le salle Mystère. Ensuite, pour le Stitch Mania, il y a le Fox, le commencer le UKS et faire un UFO, donc le calendrier de l'Avent. Et en point compté, il y aura la grenouille, le Bouddha et les carottes. Je n'aime plus les carottes. Si, j'aime bien parce que hier je me suis fait un bœuf carotte. Oh, j'ai mal à mon doigt là. Vous savez, quand on a des petites envies là, au bout des ongles, enfin sur le côté des ongles, ça fait mal. Alors maintenant. Elle est où? Ah oui, je vous montre le sampler d'abord. Alors, le sampler, c'est une broderie que je fais en duo. Alors, on l'a commencé pour le Stitch Mania, mais elle va durer quelques mois. Donc c'est une broderie que je fais en duo. Alors il faudra bien que je remette ma toile parce que là elle est mise n'importe comment. Hop, voilà où j'en suis. Avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Voilà. Donc si je vous parle de chaîne ou de personne, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous alliez voir. Donc voilà. Moi, où j'en suis, alors je vais me mettre là parce que je vais vous mettre ici la photo de l'ouvrage de Sonia. Voilà. Donc, elle le fait en fil étoile également, mais c'est le 415. Voilà. Alors, moi, c'est le 883 et le. Je ne sais plus, mais je vais vous le remarquer. Je ne l'ai plus en tête. Voilà. Donc moi, je le fais bicolore. Voilà. Sonia on avait après de longues discussions, on en avait parlé. Puis elle m'avait suggéré peut-être de faire des petites touches de couleur. Donc c'est ce que je fais. Vous voyez. Donc moi, c'est une étamine 12.6 bleu canard. Et Sonia, elle, c'est une étamine 12.6 également, mais couleur rubis. Très agréable à faire, très joli et en fin de compte, bon, j'avais une petite appréhension avec le fil étoile, mais là ça va, ça y est, c'est parti, j'aime bien. Bon, il n'y a que le premier point que quand on fait un. Bon, moi je ne connais pas les termes anglais, hein, donc voilà. Quand on fait un démarrage avec une boucle. Le fil étoile, c'est un peu plus compliqué. Donc, vaut mieux faire, alors, soit de faire un nœud derrière, bon, voilà, ou alors glisser son fil sur plusieurs fils de trame et après faire nos croix dessus. Mais quand on fait avec une boucle, c'est un peu plus compliqué de démarrer son fil. Voilà, mais j'aime beaucoup le résultat. Et je crois que quand il sera complètement fait, il sera très très joli. Voilà. Je vais le mettre là.
pour l'instant. Je le remettrai dans son sac après. Ensuite, donc non, pas cela d'abord, ici. Ah, il y a là. J'ai mes sacs qui glissent. Il va falloir que je reprenne des sacs, j'en ai pas. Ça va. Il commence à être trop plein. Alors, celui-là, je crois que... Alors, oui, c'est bon. J'ai bien travaillé dessus. Voilà. Quand je travaille bien, je m'embrasse. mes pots royaux, voilà, de chez All Forest. Donc, ça, c'est un modèle payant. Alors, je ne sais pas si vous allez... Là, sur celle-là, sur le téléphone, ça se voit moins bien. Mais alors, là, tout ça, c'est du DMC mouliné coton, hein, le 550. Par contre, ici, hop, l'arabesque, ouais, l'arabesque, qui est ici, voilà. Et celle-ci, bien sûr. Je la fais au fil étoile. C'est le C550, donc c'est la même couleur que le coton. Voilà. Mais du coup, attendez. Est-ce que je ne sais pas si j'arriverai. Je vais avancer mon téléphone. Ouais, vous voyez un petit peu que ça brille. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, je vais faire quelques touches comme ça. Je vous avais expliqué la dernière fois. Je vous ai mis un peu trop loin, là. Je vous avais expliqué la dernière fois. Il va y avoir quelques petites touches de temps en temps avec le fil étoile. Voilà. Au début, je voulais pas... Alors, tout au début, je voulais mettre du fil étoile. Mais j'avais fait deux, trois points. Je suis, oh là là, quelle galère ce fil. et puis du coup après j'ai fait le moulinet normal, hein, DMC, et puis après j'ai dit bon allez, on va essayer, ben, c'est en parlant avec Sonia pour le sampler, elle me disait ben, essaye de t'entraîner un petit peu, normalement ça doit fonctionner, et ouais, en fin de compte elle avait raison, ça fonctionne très très bien. Les deux trois premiers points bon, étaient un petit peu je ne vais pas dire difficile, mais un peu... je cherche le mot. Enfin, vous avez compris. Et puis après, bah, c'est parti tout seul. Hein. J'ai bien aimé. Et puis maintenant, bah, voilà, je suis partie. Donc là, cette arabesque-là, il y a encore un morceau à mettre là. Il va être fait en fil étoile. Bon, je vais refaire mon dragon, bien sûr, puisqu'il y a un deuxième dragon là. L'arabesque là, pareil, elle est en coton. Et peut-être qu'ici, je vais refaire un truc en fil étoile. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai comme dessin exactement. J'ai plus de, vraiment en tête. Alors, attendez, si je vais regarder directement sur All Forest. Parce, ah, j'ai peut-être le dessin là, non? Non, je ne l'ai pas là. Je regarde, mais je ne crois pas. Bon, alors, Broderie All Forest ici, dans mon drive. Non, je ne l'ai pas. Ah si, j'ai l'image, voilà. Je l'ai. Hop, allez. J'attends que ça s'ouvre bien. Voilà. Hop. Alors, attendez, je mets ça sur le côté. Voilà. Voilà ce que c'est, ce que je suis en train de broder, donc les pans royaux. Et vous voyez, là, c'est là, ça et ça, je les fais donc en fil étoile. Donc, les petits bitonios là, en dessous, là, ça, ici, je vais le faire aussi en fil étoile. Voilà. Après, je ne sais pas ce que je vais mettre... Ouais, bah à côté des dragons, là, ça, ici, et ça, ici, je vais le faire en fil étoile. Qu'est-ce que je vais... Après, je vais voir un petit peu au fur et à mesure. Voilà, je vais faire quelques touches.
les plumes peut-être ici. Je vais peut-être faire les plumes, les trucs là, les petits cônes là. Je vais peut-être les faire en fil étoile. Et puis je verrai un petit peu au fur et à mesure. Là, du coup, c'est dommage parce que j'ai déjà fait en coton DMC, en mouliné. Mais bon, c'est pas grave. Je mettrai peut-être, vous voyez, ce qui est autour là, je mettrai peut-être en fil étoile. Voilà, bon, je vais faire des petites touches à droite, à gauche. Il est très très agréable à faire et j'ai hâte de le voir avancer parce que je pense qu'il va être très très beau. Voilà. Donc là, celui-là, je le brode, je vous remonte si on voit bien. Voilà, je le brode sur une étamine 12.6 fil vintage rose. Voilà. Donc ça, c'est une que j'avais eue à Hiver Broderie, je crois. Je sais plus. De toute façon, je vous ai déjà expliqué hein, mes trois, enfin mes quatre boutiques. Moi, c'est bon, Poussière d'Étoile, bien sûr, De Mère en Fille, Maison du Canevas et Univers Broderie. Voilà, ce sont les quatre boutiques où j'achète. Je n'achète, non, j'achète nulle part ailleurs. J'achète pas ailleurs, non. De mémoire, non, j'ai pas, j'ai jamais acheté ailleurs. Voilà. Donc, je pense que celle-là, je l'avais eue chez Univers Broderie. Ensuite, m'énerve ce truc. Bougez pas, je reviens. Voilà, je l'ai enlevé. Oh, ça me faisait mal, ça m'énerve. C'est vrai que c'est casse-pied. Hein. Puis les doigts, quand on a mal aux doigts, là, quand, et c'est par période, des fois, j'ai des envies, qui, on appelle ça des envies. Mais là, en ce moment, j'en ai pas mal. Et du coup, à la force de les enlever, les couper, bah, j'ai mal. Vous en foutez, hein? Vous avez bien raison. Ici. Ah. Oh oui, mais ça, que ça commence à devenir le bon son. Alors, j'ai remis bien ma toile, mais comme il y a une, elle est longue, la toile, elle n'est pas tendue comme d'habitude. Mais bon, voilà, je l'ai bien remise. Comme ça, je peux la rouler. Voilà, ma maison météo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, j'ai fait ma semaine. Voilà, ici, les couleurs de température de la semaine. J'ai fait la boiserie de ces deux fenêtres qui n'avaient pas encore été faites. Et j'ai fermé mon toit. J'ai mis la gouttière du toit, on va dire. Voilà, ici. Donc, voilà. J'ai bien travaillé dessus, je trouve. Bon, vous pensez peut-être que c'est pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est très bien comme c'est. Là, du coup, après, il faudra dans la semaine, enfin, quand je ferai, souvent je le fais le samedi, hein, cette broderie là. Il faudra que je fasse ces deux boiseries là en plus, parce que là, vous voyez, j'arrive là au bout bientôt. Il faudra que je fasse ces deux là. Là, il me reste deux fenêtres à faire entièrement. Et en bas, je ne sais plus, je vous l'avais déjà dit, il doit me rester 3 ou 4 fenêtres à faire entièrement. Donc, il faudra que je pense à les faire, et puis un petit peu à la fois. Ensuite, après, avancer le toit. Là, du coup, j'ai avancé, mais bon, j'ai fait une ligne. Mais c'est une ligne quand même qui est assez longue, hein, donc qui m'a pris du temps. Voilà. Ouais, tout à l'heure, j'en avais marre. Je dis, allez, je vais bien remettre ma toile. Mais elle n'est pas encore assez tendue. Il faudra que je l'attends encore un peu plus. Voilà, donc ma maison météo. Donc, maison météo, j'ai fait 370 croix. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, hein. Je fais sur papier, mais bon, elle est pas compliquée là, donc je cherche ma
Bah alors, elle est où ma page? Quand je vous le dis que ma vidéo est fouillie aujourd'hui, bah, j'ai perdu une page. Ah, enfin, bien sûr, c'était la dernière. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, la maison météo, c'est ça. Donc, c'est une de mes créations personnelles que j'ai dessinée moi-même. Et on le fait en salle, donc sur mon groupe. Voilà. Donc là, j'avais dit, hein, je suis en train de penser également au prochain. Donc j'espère pouvoir vous en parler également au mois de juillet. Donc normalement, ce serait un salle qu'on commencerait également le 1er janvier. À moins que ce soit quelque chose de beaucoup plus élaboré comme ici. Et qu'on commencerait quelques mois avant pour faire la structure. Mais bon, pour l'instant, je griffonne sur le papier. Je n'ai pas encore travaillé sur mon logiciel. Voilà. Mais je vous en parlerai. Dès que c'est fait, je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, niveau grande broderie, c'est tout. Je n'ai pas fait mes ronds. Je n'ai pas travaillé sur mes ronds cette semaine, mais j'ai travaillé sur les achats des. Alors, attendez, hop, j'enlève ça pour que vous voyez mieux. Alors, celui-ci, voilà. J'adore ces couleurs. Donc, celui-là, c'est le paysage hein, au bord de la mer avec les montagnes. Voilà. Je vous remets l'image. Donc, c'est la Hayden Arbor de. De qui? J'ai une très très mauvaise mémoire, c'est des noms. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. HAED. Ici. Le voilà. Alors, c'est le Hayden Arbor de Andy Russell. Voilà. Donc, là, j'en suis. J'ai pas fait beaucoup de. Si, j'ai travaillé deux fois dessus, normalement, non. Non, je travaille qu'une fois. Vous entendez mon canari? Ouais, je crois que j'ai travaillé qu'une fois. Donc, j'ai fait que 211 croix. Je n'ai pas fait plus parce que je voulais juste terminer ma diagonale. Voilà, donc elle est terminée. Et là, je pense que je vais avancer un petit peu comme ça, exceptionnellement, pour. Avancer sur le ciel, parce que là, il y a encore un gros morceau de ciel à faire. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais avancer comme ça. Et, mais sur, je sais pas moi, sur 10 points déjà. 10, si j'arrive à avancer sur 20, ce sera bien. Mais je vais déjà essayer d'avancer sur 10 et après par case. Voilà, parce que je voudrais arriver. Donc, je vous mets en grand. Hop. Arrête de bouger. Voilà. Vous voyez, il me reste quand même un gros morceau du ciel à faire. Vous voyez. Donc là, moi, je suis arrivée. Attendez, je suis là. Ouais, je dois être arrivée à peu près ici. Là, ouais, je suis ici, là, à peu près. Donc, je voudrais commencer à bien avancer par là, pour taper d'après dans la montagne. Ici, après, je voudrais descendre, voilà. Je ne sais pas si je vais vraiment continuer en diagonale. J'ai envie de taper là, dans les montagnes, dans les maisons. Là, les montagnes, j'y suis. Vous voyez, le rose, là. Voilà, ça c'est le début d'une des montagnes.
Et donc, on les voit ici, les montagnes. Vous voyez, là. Et donc, je suis vraiment ici sur la première, sur la crête de la première montagne. Voilà. Donc, j'ai envie vraiment de commencer à voir le reste du paysage. Parce que le ciel, c'est vraiment très, très. Enfin, c'est pas que c'est très, très long. Là, il y a beaucoup de changements de couleurs. Mais c'est un peu monotone à la fin, je trouve. Et quand je vais commencer à voir bah, les arbres, les petites maisons, tout ça, qui vont commencer à immerger sur la broderie, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Voilà, donc j'ai hâte. Donc celle-là, vous l'avez vue. Bon, celui-là est vide, du coup. Je vais la remettre dedans après. On fera une petite pause après pour ranger. La steampunk, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait la steampunk cette semaine. J'ai travaillé sur ma japonaise et d'ailleurs, je l'ai changée de cadre. Je vous explique. Je ne sais plus si vous vous rappelez, elle était sur un grand cadre rond. Et là, je l'ai remis sur un QuickSnap rectangulaire. C'est le QuickSnap où il y avait le chat, le fameux chat celtique. Ça y est, je l'ai. J'ai pas démonté les points pour l'instant. Hein. J'ai retiré de son cadre, je l'ai plié, je vais ranger ma toile. Et les couleurs que j'avais préparées dans les boîtes en carte nette, je les ai mis. J'en ai mis certaines donc, que j'ai remis dans la commode. Et il y en a qui sont restés dans la boîte parce que bah, pour l'instant, je n'ai pas la place pour les ranger. Et il y a des canettes qui sont parties pour d'autres modèles. Ça, on va en parler après. Mais du coup, j'ai remis ma japonaise sur le QuickSnap. C'est beaucoup mieux. c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, alors là, je voulais terminer ma diagonale, mais je n'ai pas réussi. Vous voyez, il reste un petit zigouigoui là à faire. Voilà. Alors elle c'est pareil. Je voudrais bien. Ah là on le voit bien. Là le petit bout foncé, je vous avais expliqué, c'est le. Alors elle est où ma japonaise? Non, elle est là. Hop. Allez, ouvre-toi. Voilà. Je vous remontre après. Hein. En haut, je suis arrivée donc ici, vous voyez, à son premier pic là, qui va dans les cheveux. Je suis là. Et bien sûr, pour l'instant, donc, je ne suis pas encore arrivée à la feuille verte. J'ai fait ça. Voilà. Vous voyez, voilà ce que j'ai fait. Donc j'aimerais bien aussi après commencer à partir un peu dans les cheveux en horizontal, partir comme ça ici pour commencer à avoir les cheveux, voilà. Mais bon, on verra. Là pour l'instant, j'en suis là. Je resserre mes fils, voilà. J'en suis là. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup, beaucoup pour l'instant, hein, mais déjà, les petits reflets de couleurs là, qu'il y a là, les différents mauves, les différents violets, les bleus, c'est déjà très joli. Oui. Hop, si je me mets loin, ça va. Alors, elle, la japonaise, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai vraiment pas fait grand chose, je ne sais plus pourquoi. Pourquoi j'ai pas fait beaucoup? Je crois que j'ai dû bouger et partir de la maison pour un truc. Ouais, je suis partie de la maison pour quelque chose, mais bon, pourquoi je sais plus, hein. Ça remonte à lundi. Et donc, non, Fifi! Oh. Ça y est, c'est Fifi, hein, pas s'inquiéter. Attendez, juste une seconde. Oui, voilà. J'ai remis un petit peu en place parce qu'elle allait tout me faire tomber. Oui, donc je n'ai fait que 141 croix.
Je suis arrivée à 2,34%. Bon, c'est une broderie que j'ai un HAED que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. Je voulais terminer les aiguilles là, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas très grave. Le sampler bleu, ce que je vous ai dit, le nombre de croix que j'ai fait, je ne me rappelle plus. J'ai fait 307 croix. Voilà. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et ouais, non, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et Sonia a dû faire pareil entre 300 et 350 croix. Voilà. Bah écoutez, niveau HAED, c'est tout. Parce que là, je n'ai pas fait. Je n'ai pas travaillé cette semaine. Voilà, toi. Sur. Là j'ai pas encore changé mes bobines de fil, hop, faudra que je les change. Mon steampunk, voilà, vous voyez, là pour l'instant elle est toujours au même point. Je n'ai pas travaillé dessus cette semaine. Voilà, bon, c'est pas un vrai HAED, hein, là. C'est une, comme je vous avais expliqué, c'est une image que j'ai pris, une image gratuite, et que j'ai je vois que mon aiguille n'est pas piquée, que j'ai retransformé en grille. Voilà. Hop. Donc là, steampunk, attendez, je vais vous montrer l'image pour celles qui ne la connaissent pas. Ah, voilà, j'ai perdu un aimant. Oh, c'est pas possible aujourd'hui. Voilà. Je vous montre d'abord la steampunk. Voilà. C'est elle que je suis en train de faire. Voilà. Elle est très, très belle. Alors, je viens de vérifier sur mon carnet. Effectivement, ça me semblait bizarre pour le HAED paysage que je n'avais fait que 211 croix. Donc, j'ai travaillé deux fois cette semaine dessus. Et donc, j'ai travaillé dessus dimanche dernier. J'avais fait 337 croix. Et dans la semaine, donc mardi, j'ai refait 211 croix. Donc, ce qui fait que j'ai fait environ 550 croix sur la semaine pour le HAED paysage. Ça me semblait bizarre. Voilà. Du coup, j'ai vérifié. Donc, pour les grandes broderies, c'est tout. Niveau... comment ? Estampé. Voilà. Excusez-moi. Je n'ai pas fait le cheval, je n'ai pas fait le cerf, je n'ai pas, là j'ai manqué de temps après, hein, au bout d'un moment. Par contre, j'ai travaillé un petit peu sur celle-ci, mais alors vraiment un petit peu. Je vous rappelle que celle-là, normalement, c'était une que je faisais en duo, mais bon, voilà, je ne la fais plus en duo. Alors attendez, je vais piquer mon aiguille. Je la mets plutôt dans votre sens. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Là, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait le blanc, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Ça fait un peu plus bleu ciel que blanc, puisque le blanc se fait sur le bleu. Voilà ce que j'ai fait. Mais bon, elle avance très, très bien. Là, maintenant, je suis sur le blanc. Après, il me restera la partie, là, bleu ciel. C'est un gris presque blanc, voilà. Donc, elle sera terminée ce mois-ci, hein. Celle-là, il n'y a pas de problème. J'en fais une par mois. Là, c'est la numéro 6. Il ne m'en reste plus que deux à faire. Et j'aurai terminé cette série. Voilà. Alors, niveau duo. Il va y avoir des duos. Je vous ai... C'est long aujourd'hui, hein, oui. On est à 1h34, je suis encore sur la broderie. Niveau duo, je vais faire... Alors, je ne sais pas quelle date, parce que je le fais avec Jennifer de la chaîne Mouflette, Bricole, et... Je vous le remets en barre d'infos. Je n'ai plus le... Je vous dis, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Hein. Alors,
Donc moi, on va se faire un duo avec cette broderie. Alors ça va être une estampée, exceptionnellement, mais ce sera une estampée. Si ça veut bien s'ouvrir, oh, ma tablette, j'ai envie de la claquer au mur. Oh! Allez! Donc oui, elle vient de le commander. Moi, il est en route. Donc ça ne devrait pas tarder. Vous allez voir que je vais pas savoir l'ouvrir. Bon, c'est pas grave, je vais vous mettre l'image. Parce que là, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Je vais me le marquer parce que sinon je vais l'oublier. Mettre image. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un hibou. Ça va être un estampé. Alors, de mémoire, je crois que la taille fait 40 sur 40, un truc comme ça. C'est du 14 CT et c'est un Dioy Sandé normalement. Voilà. Alors, on le commencera quand on recevra. Donc, moi je vais le recevoir avant Jennifer, puisque moi je l'avais demandé avant. Et elle a fait, c'est des partenariats toutes les deux. Et elle l'a fait cette semaine. Donc, bon. Je pense qu'on commencera peut-être d'ici un mois. Voilà, on verra bien. De toute façon, on vous tient au courant toutes les deux, chacune sur notre chaîne. Donc ça, c'est le premier duo que je vais faire. Le deuxième duo qui commence ce 1er juin. Donc là, c'est un duo que... Oh, ça m'énerve. Vous voyez, ça m'énerve et du coup, je tousse. Que je fais avec, c'est une catastrophe. Je sais pas, là, ma tablette, je crois que la batterie elle est plus très très forte. Voilà, je la fais avec Céline. Elle a une chaîne ou pas, Céline? Je me rappelle plus. Oula, Alzheimer. Bon, de toute façon, je vous mets tous les liens quand il y en a. Donc je vais le faire avec Céline. Alors c'est pas la même Céline qui faisait le duo avec ça. Hein. C'est une autre. Et donc là, nous, on va commencer un lily-point. Donc moi, je vais le faire sur une toile étamine Vichy grise. Voilà, c'est à carreaux. Céline, je ne sais pas sur quoi elle va le faire. Je crois que c'est sur l'Aïda de mémoire, mais c'est pas la même. C'est le même thème, mais elle n'a pas la même broderie. Alors, je vais regarder si je trouve la sienne aussi. Alors, animaux. Est-ce qu'il y a des trucs animaux? Animaux, ils ont marqué. Les animaux. Non, j'ai pas le sien malheureusement. Ou alors c'est celui-là. Alors, moi, c'est celui-là. Voilà. Moi, ça va être celui-ci. Voilà, la ronron thérapie. Et Céline. Alors, Céline, excuse-moi si je me trompe. Hein. Je crois que c'est celui-là, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Voilà, mais sur une façon. Ah! Voilà. Une façon, sur les chats, il n'y en a pas 50 chez Lilypoint. Donc je crois que Céline, c'est celui-là. Mais quand on sera pour commencer ce duo, je vous remettrai des photos, je vous en reparlerai. Donc vous saurez exactement ce qu'on fait. Moi, le mien, c'est sûr. Voilà. Donc ça, nous, on commence le 1er juin, ce duo-là. Ensuite, je me suis fait kidnapper virtuellement par, comme je les appelle, le gang des Québécoises. Voilà.
Donc, dans le gang des Québécoises, il y a Sonia de Diamant Rose, pardon. Il y a Amélie de Dazzling et Diamant. Il y a Mélanie de Diamant Folie. Et il y a Caro de Carré Liengel. Caro, excuse-moi, j'ai mal dit le nom de ta chaîne. Pareil, je vous remets tous les liens en barre d'infos. Donc, je sais qu'il y a, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais je crois que je suis la seule française. Sonia, Amélie, etc. Venez, corrigez-moi si je me trompe. Donc, c'est pour ça que je dis que je me suis fait kidnapper par le gang des Québécoises. Nous allons. Alors. Vous savez que je suis faible, très faible. Je suis en train de me faire embarquer. Alors, quand j'ai vu les photos, je fais, oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Bon, là, je ne les ai pas en couleur. Je sais pas si je les ai en couleur là. Donc, elles vont commencer. Alors, il y en a un qui commence. J'ai marqué. Hein. J'ai marqué. Bah, le 1er juin aussi. Je suis plein de trucs qui commencent le 1er juin. Donc, ah, bah, Sonia, là, voilà. Donc, qui commence le 1er juin. Et le 1er juin, on commence le patchwork. Alors, allez. Ah, ben bah, non, il ne veut pas s'ouvrir. Hein. Je sais pas ce qu'elle a ma tablette là. Bon, c'est pas grave. Je vous remettrai la photo de toute façon. Là, je vais vous le montrer. C'est en noir et blanc. Voilà, est-ce que je n'avais pas imprimé en couleur? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tous les tons rose, mauve, violet, magnifique. Juste superbe. Bon, je ne sais pas encore. D'ailleurs, il faudra que je voie avec elle, avec le petit gang, comment on va s'y prendre. Si on commence par le milieu, par en haut, par en bas, par voilà. Si on fait un carré par semaine ou vraiment, je ne sais. Là, je ne sais pas encore le détail, mais j'ai déjà préparé mes fils. Ma toile, je vais la couper cette semaine. Là, j'ai ce qu'il faut pour cette toile-là. Donc, un premier ouvrage. Bah oui, premier. Et le deuxième, bah, du coup, je vous mettrai l'image en couleur également. C'est le Halloween Quaker, le Lila S Studio. L'autre, je n'ai pas donné le nom. C'est le Sample. C'est le Sampler Ornement Squirtle. Voilà. Donc celui-là, c'est le Halloween Quaker. Alors normalement, je n'aime pas ce qui est Halloween, mais celui-là, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà, en noir et blanc. Mais je vous remets la photo en couleur. Donc celui-là, je pense qu'on va le commencer un mois après parce que bah Sonia attend encore des fournitures pour le faire. Moi, j'ai alors, je me suis commandé, alors malgré que j'ai plein de toiles, hein, alors j'espère que je ne me suis pas trompée en plus, je suis en train de réfléchir, mais j'espère que je ne me suis pas plantée dans les tailles. Je me suis pris une toile de lin. Je ne brode jamais sur du lin. J'ai brodé dans le temps, mais là, je ne brode plus jamais sur du lin depuis très longtemps. Et donc, je me suis commandé une toile de lin 16 fils Newcastle Zegart Vintage Marron. Ça je l'ai pris chez Univers Broderie, c'est ça que je vous disais que j'attendais, et j'ai repris en même temps. Alors, j'ai pas vérifié si j'avais tous mes fils pour l'Halloween, ça
Ça, bon, comme on ne le fait pas tout de suite, ça va, j'ai le temps encore de vérifier, de voir s'il m'en manque. Et j'ai commandé par contre les fils pour celui-là, ceux que je n'avais pas, bien sûr, parce qu'il y a des fils où il faut 10 échevettes, 6, etc. Donc là, j'ai commandé les DMC pour avoir ce qu'il fallait pour faire ce patchwork. Et là, pour Halloween, je me suis commandé une toile. Voilà, donc une toile de lin, 16 fils en plus. Je suis folle. Mais ça va. Donc là, j'ai commencé aussi à préparer tous mes fils. Je vais les mettre sur, pas tous, mais parce qu'il y a des mélanges de couleurs. Donc les mélanges de couleurs, je vais les mettre là-dessus. Et ceux qui vont se broder simple resteront sur cartonnette. Voilà. Mais je vous montrerai tout ça en détail dès qu'on sera prêt à commencer. Bon, ben, j'arrive pas à ouvrir ma boîte mail. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, un duo. Un premier duo avec le hibou, avec Jennifer. Un deuxième duo avec Céline. Avec un Lily Point et un gang avec donc le Halloween Quaker et le patchwork, le sampler là, voilà. Mais bien sûr, sur mon groupe, j'organise des choses aussi. Et là, j'ai. Alors, je ne sais pas si je l'enregistre. Mais oui, mais est-ce qu'elle va aller, la tablette? J'organise deux nouveaux salles qui commenceront au mois de juillet. Alors, on avait le choix. Alors, est-ce que je l'ai enregistré? J'en ai enregistré un. Oui. Deuxième, je vais aller le rechercher. Donc, les filles pourront faire soit les deux. Voilà, c'est deux trucs complètement différents. Ou elles en font un des deux. Voilà, c'est au choix. Donc, c'est deux modèles All Forest gratuits. Le premier, c'est celui-ci. Les 100 chouettes. Il y a vraiment 100 chouettes sur cette broderie. Voilà. Mais c'est un sale qui va durer très longtemps, qui va se faire sur presque un an et demi chacun. Donc, si on fait les deux en même temps, bah, ça sera un an et demi quand même. Mais on va faire une page par mois parce qu'on sait qu'on a plein d'encours. Donc, on a le temps, on y va. Cool. Et voilà. Donc, c'est deux salles qui vont se faire sur un an et demi. Voilà. Au moins, bah, comme ça, même si elles veulent prendre leur temps, même si elles le font sur 2 ans, et ben elles le feront sur 2 ans, c'est tout, c'est pas très grave. Alors, il est où le deuxième? Le voilà. Je sais pas pourquoi je l'avais pas, il n'était pas enregistré sur ma tablette. Bon, c'est pas très grave. C'est l'île au trésor. Hop, il y a là. Voilà. C'est celui-ci, avec les pirates. Alors, vous voyez, c'est vraiment deux modèles complètement différents. Voilà. Donc, ça commence le 1er juillet. Donc, pour ces deux salles, l'île au trésor et les 100 chouettes, donc modèle All Forest gratuit, vous n'aurez que la toile et les fils à acheter. Ou si vous les avez déjà en stock, bah, venez nous rejoindre sur le groupe. L'adresse est en barre d'infos. C'est le groupe À vos aiguilles. Broderie, tricot, crochet, couture. Voilà. C'est vrai que j'ai fait un titre un peu long. Venez nous rejoindre sur le groupe, je vais y arriver, si vous êtes intéressé pour faire ces deux salles. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a des échanges, il y a d'autres salles, il y a. Voilà. Donc, voilà les projets. Amélie, si tu passes par là. Miss Projet, il y en a une en France aussi. Elle comprendra pourquoi je dis ça. Parce
qu'elle se surnomme elle-même Miss Projet. Ben écoutez, en broderie, je crois que je vous ai tout montré, sauf que, c'est vrai. Mais bon, je pense pas le faire. Il y a de mère en fille qui organise un salle également. Bon, je ne sais pas encore vraiment les conditions. Je sais que ça commence le 1er juin. Voilà. Et elle fait sur la nouvelle grille de broderie de Madame Chantilly. Voilà. Alors, je sais que je l'ai mis sur mon groupe, donc je vais vous la donner. Alors, elle est magnifique en plus, cette grille. Alors, elle sur le... c'est pas possible. Il y a des postes, mais alors ça n'arrête pas. Ah oui, il y a celui-là. Attendez, je vous parle de Madame Chantilly juste après, parce que là, je viens d'avoir un truc que je veux vous montrer. Forest, le site HAED, voilà, vient de sortir une édition limitée pour une nouvelle broderie de chez Malcolm Watson. Vous savez, celui qui a fait le chat. Et ben voilà, bon, je n'ai pas craqué dessus. Je vous montre l'image. Voilà. Mais quand vous allez voir. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Alors, celui-ci, il existe en mini. Donc, si je serais pour craquer, je le prendrais en mini. C'est bon, les grands modèles, ça va, j'ai ce qu'il me faut. En mini, il fait 250 sur 250 points. Donc, ça va, avec 88 couleurs. Après, on l'a en taille normale. Donc, la taille normale, elle fait 550 sur 550 avec 88 couleurs. Le mini, c'est 89 couleurs. Là, c'est 88. Et après, vous pouvez l'avoir également en surdimensionné. Et là, il est énorme. Il fait 999 points sur 999 points. Donc là, c'est le truc. Il y a 151 pages. Il y a 88 couleurs quand même. Mais voilà. Donc là, non, c'est le mastodonte. Non. Donc, moi, je réfléchis encore. C'est bien de réfléchir. Mais c'est vrai qu'il est, superbe. Hein. Il est superbe. Alors, il y a une bordure noire. Mais voilà, elle est pas très grande, la bordure noire. Hein. Regardez. Vous voyez. Mais il est trop, trop beau. Hein. Mais bon, je réfléchis. Par contre, alors, si vous seriez intéressé, allez-y rapidement parce que c'est une édition limitée. Donc, ça ne restera que un mois sur le site. Voilà. Donc, j'ai encore un petit mois pour réfléchir. Et je vous parlais donc... je n'arrive pas à le retrouver. Il y a tellement de papotage sur mon groupe que des fois... Ah, le voilà. Le voilà. Ici, voilà, le nouveau Madame Chantilly, il est trop beau aussi, avec ses petites abeilles, les nounours, les pots de miel, il est trop beau. Alors là, sur la boutique de mère en fille, vous pouvez soit acheter, ouais, je crois que c'est parce que j'ai plus de batterie, soit acheter la grille toute seule, ou après, vous achetez en kit, donc vous aurez la toile, le fil et la grille. Et si vous prenez en kit, il y aura un cadeau supplémentaire dans le colis.
Ça m'énerve ma tablette, je vais la foutre au mur. Alors, vous pouvez avoir en l'un 12,6 fils, l'un 14 fils, l'un 15 fils, l'un 16 fils, l'un 18 fils. Après, étamine Murano 12 fils ou l'Aïda 5, 5, 7 ou 8. Voilà. C'est environ, c'est entre 35 et 40 euros le kit, suivant la toile que vous choisissez. Sinon, la fiche est à 14 euros. Si jamais, pareil, hein, vous avez le lien de Mère en Fille en barre d'infos. Si vous n'avez jamais commandé sur le site, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email pour que je vous envoie une invitation. Avant de vous inscrire, surtout avec votre nom, votre prénom, votre adresse email, et je vous enverrai une invitation pour vous inscrire sur le site et vous aurez droit à 15% de réduction. Voilà. Bon, niveau broderie, bah écoutez, 11h, 23h15, ça fait 1h55 que je parle, mais que de broderie. J'ai fait fort aujourd'hui. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai fait. Donc les achats, je vous les montrerai dès que je les recevrai. Si, un petit achat que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, vous devez vous dire, mais c'est quoi ça? Alors j'ai vu ça sur la chaîne d'une américaine. Et j'ai trouvé ça super pratique. À part que là, il va me falloir des petits un petit anneau et je dois avoir ça en haut, il faudrait que je cherche. Elle se sert de ça pour y mettre ses ciseaux. Voilà, alors vous avez une petite attache là avec une pression. Vous avez aussi ça, si vous voulez. Et vous avez ça. Alors, soit vous l'attachez avec la pince qui est là derrière, ou ici avec le truc là. Hein, ben, vous avez compris. Et c'est un fil qui s'étire, un élastique. Donc, j'accroche ça là près de mon bureau et quand je me sers de mes ciseaux, bah, je tire, je coupe, hop, et ça revient tout seul. Je cherche plus après mes ciseaux et là j'en ai eu trois. Je vous mettrai en barre d'infos. Hein. Donc on reçoit une boîte comme ça, je les ai eues sur Amazon et vous en avez trois. Alors il y en a qui ont, y a des vendeurs qui vendent avec plus, hein, mais c'est pas les vrais. Donc vous en recevez 3. Je sais plus, j'ai payé ça dans les 7 euros, je crois. Donc c'est pas très cher. Et le deuxième, je vais m'en servir pour l'enfil-aiguille. Parce que l'enfil-aiguille, je suis toujours. Vous savez ce que j'ai fait cette année? Vous vous rappelez l'enfil-aiguille petit, avec le petit chat? L'autre jour, je cherche, je cherche, je cherche. Pas moyen de remettre la main dessus. Puis après, je passe l'aspirateur dans la maison. J'entends bling bling. C'était mon enfil-aiguille chat. Il est dans l'aspirateur maintenant. Alors du coup, quand j'ai vu ça sur la chaîne américaine, je dis oh là, c'est topissime ça, parce qu'elle a mis ses ciseaux et sur un deuxième, elle y met son enfil-aiguille. Sur le troisième, je sais plus ce qu'elle met, mais enfin bon, elle se sert des trois. Donc ça, c'est topissime. Voilà. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, allez, on arrête de parler broderie. Je mets en pause juste 2 secondes. Je hop, et on arrive à 2 heures. Je vous montre. Bon, le tricot, ça va aller beaucoup plus vite. Hein, je vous rassure. Ah, mon challenge, je l'ai gagné. J'ai fait 3 869 croix cette semaine. Donc, j'ai gagné mon challenge perso cette semaine. Voilà, allez, je vous montre le tricot. Voilà. Bon. 1h59 minutes. Oh, ma couverture météo, je suis à jour, à part le rang d'aujourd'hui, mais ça, c'est pas grave, hein, il sera fait demain. Mais je suis à jour, voilà. Donc là, c'est mon mois de mai. Il fait toujours bleu, hein. Il pleut. Il pleut, il pleut. On a eu un petit peu de chaleur là, mais bon, voilà. Donc, couverture météo, je suis à jour. Je ne suis pas à jour sur celle de l'année dernière, je ne l'ai pas sortie. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Je la sortirai, hein, vous inquiétez pas. Ici, j'avais prévu de faire mon
pull fil d'art, je l'ai fait. Enfin, j'ai travaillé dessus. Oups, il est tout chiffonné. Voilà. Voilà où j'en étais la dernière fois. Et j'ai fait ça. Donc, il doit y avoir 10-12 rangs, je crois. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ah, 15. J'ai fait 15 rangs. Voilà. Donc, ça avance. Je vais bientôt arriver aux emmanchures. Hein. Il doit me manquer ça encore à peu près. Voilà. Mais ça avance. Voilà. J'ai bien repris mon tricot et j'ai avancé dessus. Alors, je verrai, peut-être que dans le mois, je vous ferai un petit podcast tricot. Je verrai pour qu'on parle un peu plus en profondeur de mes tricots. Si j'ai bien avancé dessus. Hein. Et, alors, je devais faire le pull à chouchou. Mais je ne sais pas comment ça se fait. C'est mon pull à moi qui est venu dans mes mains. Ouais. Mon pull Armel. Voilà, le pull Armel fil d'art. Oui, je sais, je parle beaucoup de bergères de France en ce moment, et là, je fais du fil d'art, mais bon, ils sont commencés, il faut bien que je les fasse. Hein. Voilà. Donc, celui-là, il est fait avec le fil eucalyptus, c'est du 100% lyocell. Voilà. Hop. Donc, ça fait comme un ruban, vous voyez. Il est très agréable à broder. Je parlais trop de broderie, soit. À tricoter, il est très léger, très souple, vous voyez. Voilà, donc là, les emmanchures, j'y suis là. Voilà, vous voyez, là, c'est le début des emmanchures. Donc, j'ai déjà fait ça, et là, j'ai brodé, donc tout ça, tricoté tout ça. Donc, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, ah ben 15 rangs aussi. Voilà. J'ai fait une quinzaine de rangs également sur celui-là. Donc, mes tricots avancent. Alors, ce que j'ai fait, cette semaine, ce que j'ai fait, je crois que j'en ai fait l'après-midi aussi. Et j'en ai fait l'après-midi, j'en ai fait le soir. J'ai un peu broderie, tricot, broderie, tricot. Voilà, donc comme ça, moi, j'avance et je voudrais bien avancer sur cela parce que, comme vous avez pu voir sur ma vidéo de déballage bergère de France, j'ai des projets d'autres tricots et du coup, je voudrais bien avancer cela. Alors, le pull camionneur, je ne le stoppe pas, hein, je vous rassure, mais on est au mois de mai, donc il n'y a plus d'urgence, voilà. Il n'y a plus d'urgence à le faire. Je crois que je reprendrai en septembre. Je vais le mettre de côté pour l'instant et je vais le reprendre au mois de septembre pour qu'il soit fini pour l'hiver. Parce que là, bon, pour l'instant, j'arrive toujours pas à me remettre dedans. Donc, je vais le laisser sur le côté. Je vais le reprendre, je vais le terminer. Hein, ça, n'ayez crainte, je veux absolument le finir. Mais je le referai au mois de septembre. Voilà. Le pull à chouchou, je vais me mettre dessus hein, cette semaine. On va voir ce que la roue va dire, mais même là, bon, au niveau tricot, la roue, c'est pas très très important. On verra ce que normalement je vais me mettre dessus. Le pull Armel lui avance très bien. Il avance très vite une fois que je me mets dessus, parce que c'est une laine qui glisse, enfin c'est un fil qui glisse vraiment bien. Donc il n'y a pas de problème. Ce que je voudrais vraiment aller plus vite sur ces pulls là, tout au moins le Armel parce que c'est un pull demi-saison, un pull de printemps. Le fil d'art, s'il n'est pas fini tout de suite, c'est pareil, c'est pas très grave, c'est un pull d'hiver. Mais le Armel et le débardeur de chouchou, je voudrais bien accélérer dessus pour pouvoir les terminer. Et après, pour pouvoir aussi par la suite commencer mes autres projets. Donc, je vais vous faire une vidéo. Là, je ne vais pas en parler maintenant parce que là, ça va vraiment faire très, très, très long.
Il y en a, je suis sûre qu'il y en a la moitié qui sont partis là. mais je pense vous faire une vidéo dans le mois. Je ferai un genre de podcast tricot. Comme ça, on ferait un point sur mes ouvrages en cours, parce que j'en ai plusieurs, et sur mes projets. Voilà. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me le dire également. Donc, du coup, je ne vais pas faire de tirage pour le tricot. Ce n'est pas la peine. Par contre, on n'a pas fait le tirage pour les achats AED. On va le faire avant de se dire au revoir. Ah ouais, aujourd'hui, la vidéo, waouh! Papoter, mes mères, hein? Je me suis rattrapée, hein? Alors, les achats AED. Hop! On va voir ce que ça nous dit. Bah, le paysage. Le paysage. Voilà. Et en deuxième. Simpuck. Simpuck. Voilà. Ah non, 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 non. Steampunk. Steampunk. Voilà. Voilà, ce sera le paysage et la steampunk. Et pour les estampés, bah écoutez, je ne vais pas faire de tirage au sort pour les estampés puisque je n'ai pas travaillé la semaine dernière dessus. Je vais remarquer le cheval et le cerf. Voilà. Et du coup, les tricots, bah, c'est le débardeur et le pull armel. Et je vous prévois une vidéo dans le mois pour vous faire un petit podcast tricot pour changer un peu. Et comme ça, on fera un gros point sur le tricot. Si ça vous intéresse. Voilà. Bah, écoutez, waouh, hein? Bonne vidéo. Au moins, s'il n'y a rien à la télé ce soir, bah, vous avez quoi regarder. Vous aurez regardé plutôt. Allez. Bah, écoutez, moi, j'étais très heureuse de faire cette vidéo. Je suis très heureuse que vous soyez toujours fidèles à ma chaîne. Si j'ai oublié de dire des choses ou qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous répondrai, même en retard, hein, parce qu'en ce moment, c'est pareil, je suis en retard. Mais je vous répondrai. Bon, si c'est des questions urgentes, ne vous inquiétez pas, je vous réponds tout de suite. Et en attendant, ben, nous, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Et plein de belles choses comme d'habitude. La voix, elle commence à partir. Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche si vous regardez la vidéo dimanche. Une excellente semaine. Bon courage à ceux qui travaillent. Bonne broderie à tous. Bon tricot à tous. Et à bientôt. Bisous, bisous.